Bienvenue à Drift River. Nous vous proposons un voyage méditatif durant lequel vous pouvez vous laisser porter par notre univers sonore. Je vous invite à vous détendre et à vous laisser guider. Respirez profondément. Le voyage commence. Aujourd'hui, tu décides de descendre une rivière en canoë. Le canoë est attaché sur le toit de ta voiture. Tu as préparé ton sac pour la journée. C'est une belle journée d'été, une journée idéale pour profiter de la rivière. Tu démarres ta voiture et roules tranquillement vers ta destination. Tu ouvres la fenêtre. L'air est chaud. Tu connais une plage sauvage où il n'y a jamais personne. L'endroit est un peu difficile d'accès, mais la beauté du lieu en vaut la peine. Tu te gares à l'ombre d'un grand chêne pour garder ta voiture au frais. Tu détaches ton canoë. Et tu le tiens à travers les herbes hautes. Jusqu'à l'eau fraîche et limpide. Tu poses ton sac dans le canoë et montes dedans. Après avoir trouvé ton équilibre, tu t'éloignes des berges et pagaies vers le large.
peu de courant à cette période de l'année. Tu viens ici régulièrement et à chaque fois tu te sens exalté par la beauté de cette nature. L'eau cristalline, le lit de Galélis. Les immenses arbres qui se penchent sur l'eau comme pour admirer leur propre reflet. Les troncs couchés dans la rivière qui recueillent le bois flotté. Les bruits de cigales, le chant des oiseaux, les oies sauvages et les libellules qui s'agitent autour de toi en faisant abstraction de ta présence. Le courant est si faible que lorsque tu t'arrêtes de pagayer, tu es presque immobile. Le soleil est à la verticale et tu commences à avoir faim. Tu poses tes pagayes et laisse la rivière te porter tranquillement. Tu sors de ton sac le déjeuner que tu avais préparé plus tôt. Et en mangeant, tu regardes défiler les poissons de part et d'autre de ton canoë. Tu partages le pain de ton sandwich avec les canards qui encerclent ton bateau. Et tu saisis ta gourde isotherme et te verses une grande tasse de café chaud. Cherche ton livre au fond de ton sac. Tu t'installes confortablement en plongeant tes pieds dans l'eau rafraîchissante. Thank you.
Tu baisses la visière de ta casquette pour te protéger du soleil aveuglant et tu bois une gorgée de café. Tu entends au loin les aboiements d'un chien solitaire, mais ça ne te dérange pas du tout. À cet instant, tu te sens complètement en phase avec le monde et avec la place que tu y occupes. Tu regardes le livre. C'est un livre que tu n'as pas lu ni vu depuis des années. Tu l'as retrouvé en rendant visite à tes parents le week-end dernier. Alors que tu parcours les pages, un bout de papier tombe. Lorsque tu le ramasses, ton visage s'illumine. C'est une vieille photo d'un ami que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Vous étiez ensemble à l'école. Puis tu as changé de ville. Et peu à peu, vous avez perdu le contact. En buvant ton café, tu penses à ces souvenirs, aux fous rires qui explosaient en classe, à toutes les joies et les peines que vous avez partagées. Intérieurement, tu te fais la promesse de recontacter cet ami dans les jours qui viennent. Alors que tu remets l'image à l'intérieur du livre, tu réalises que de lourds nuages gris foncés se rapprochent rapidement et que des rafales de vent commencent à secouer ton canoë. Tu décides de faire demi-tour et de pagayer en remontant jusqu'à la voiture, en espérant échapper à la pluie.
lointain grondement de tonnerre. Une pluie fine se met à tomber alors que le ciel s'assombrit. Tu rattaches ton canoë sur ta voiture. La pluie devient plus forte et tu te mets à l'abri juste à temps. Je te félicite en silence d'avoir su rentrer au bon moment. Tu restes immobile encore quelques minutes. Tu savoures le son de la pluie qui tombe sur le toit de ta voiture. L'orage s'est rapproché et le son du tonnerre te fait sentir encore plus vivant. Tu te sens empli de gratitude pour cette journée et murmure un « merci » à qui pourrait l'entendre. Tu démarres. Tourne autour du chêne et reprend la route en direction de chez toi.